un film Joker Harley Quinn allait sortir au cinéma, Urban nous propose une anthologie qui s'appelle Joker Harley Bad Romance avec cette magnifique couverture de Monsieur Alex Ross, réutilisée pour la 130e fois, mais bien amortie par celui qui l'a commandé chez DC Comics. C'est une merveille, elle est sublime. Vous le savez, le film sort très bientôt, en octobre. Ça risque d'être un événement, en tout cas un succès, on leur souhaite. Et pour accompagner cette sortie, en amont, c'est la rentrée. Voici une anthologie consacrée au Joker et à Harley. Je suis en mesure de vous présenter en avant-première, petite avant-première, hein, ça sort demain, cet album, c'est chez Urban Comics dans la collection DC Deluxe, et c'est un pot pourri, si je puis me permettre, eh bien, de récits cultes mettant en scène d'un côté le Joker et de l'autre Harley Quinn à travers les âges, les époques, les costumes et aussi eh bien, des générations d'auteurs et des récits que vous connaissez peut-être, que vous avez certainement en votre possession. Vous connaissez leur histoire, le Joker il est là depuis toujours, hein. Némésis de Batman qui a à toute... les époques étaient eh bien son souffre-douleur mais aussi son alter ego, pas vraiment alter ego mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est Batman n'existe pas sans le Joker et le Joker n'existe pas sans Batman, ils sont un petit peu comme des jumeaux, comme des siamois. Harley Quinn, personnage créé dans eh bien la série animée des années 90 qui a fait ses premiers pas en comics par la suite, notamment dans un comics qui s'appelle Mad Love. Alors Mad Love, vous le connaissez, hein, c'est du Bruce Timm évidemment. Mad Love, ça a été édité 73 fois. Moi, j'ai une belle édition de Mad Love chez Urban. Il y a l'édition Urban Limited qui arrive à Noël et vous serez nombreux, je pense, à sauter dessus. Personnage qui est devenu cultissime et qui a été dessiné par les plus grands. Dessiné par les plus grands puisque eh bien, tous les dessinateurs de toutes les générations, notamment Terry Dodson, eh bien, a travaillé et a œuvré sur ce personnage et ses rencontres amoureuses et criminelles. Alors ce qui est très drôle dans l'épisode de Terry Dodson, c'est que on reconnaît le style de Terry Dodson, mais que les premières pages sont également dessinées par Terry Dodson, mais hyper cartoony comme les dessinés Bruce Timm, donc il y a une sorte de passation entre les deux et voilà. Alors vous allez avoir des styles de dessin très très différents tout au long de cet album, hein. Je vais vous lister évidemment les titres et les noms des artistes qui sont associés. Il y a du Jock notamment, vous allez le découvrir, avec évidemment une galerie de couverture assez magnifique à la fin. Le menu, le sommaire est magnifique. Il y a du Mirka. Non, c'est du Steve Pugh, j'allais dire. Regardez, ça c'est un récit qui était sorti, c'était pas la collection Urban Blast, c'était voilà, Breaking Glass qui était sorti, on en avait parlé sur Radio Comics. Un récit destiné à un public young adult, mais magnifiquement dessiné. C'est Steve Pugh, dessinateur qui avait fait ses merveilles, dessinateur qui nous vient évidemment du fond des âges des comics des années 70 et des choses absolument magnifiques que vous avez peut-être aimées. Comme les Werewolf by Night et tous ces comics d'horreur. Donc nous avons plusieurs récits. Nous avons des récits. Où est-ce qu'ils sont listés? Qu'est-ce que j'ai fait de ma liste? Nous avons le Batman Mad Love. Nous avons Batman Breaking Glass. Nous avons le Harley Quinn 1. Nous avons Gotham Sirène 20 et 21. Nous avons un Batman 13. C'était celui dessiné par Jock, je crois. Harley Quinn 25. Le Secret Origin 4. Le Harley Quinn Black, White and Red, ça c'est Mirka dans le faux, je crois, numéro 1. Voilà, énormément de récits et des auteurs que je vais vous citer. Au scénario, Mariko Tamaki, Paul Dini, Bruce Timm, Carl Kessel, Scott Snyder, James Tynion, The Force, Peter Calloway, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Stéphane Sejic. De l'autre côté, nous avons Steve Pugh, Bruce Timm au niveau des dessins, Terry Dodson avec Rachel Dodson, bien sûr, Jock, Ramon Bax, Andrés Guinaldo, Guillaume Marsh, nous avons Chad Hardin, Stéphane Roux, Stéphane Sejic, voilà pour les auteurs de ce récit. Honnêtement, on va se dire les choses clairement. Si vous avez très envie de découvrir Harley Quinn, si vous avez envie de découvrir Harley Quinn et le Joker, et si vous voulez, eh bien,
grappiller, découvrir, et eh bien savoir ce qu'il, de quoi il en, de quoi, enfin voilà, avoir un premier jet des aventures de ces deux personnages et que vous n'avez jamais rien lu. Bon, évidemment, il faut lire Killing Joke sur le Joker, il y a plein de trucs à lire. Vous pouvez lire Harleen, par exemple, de Stepan Sejic, qui est très très bien. Mais ce bouquin, qui est une sorte de je suis, c'est un peu comme l'équivalent des je suis Wolverine, je suis Deadpool, nous sommes Venom, chez Panini. C'est une anthologie avec une sélection de choix triés, de comics triés sur le volet, qui vont peut-être vous aider à mieux y voir plus clair, peut-être vous donner une première impression, une première bonne impression. Et puis ben, sinon il y a plein d'autres choses évidemment à découvrir, mais je pense que c'est une très très bonne formule et ça arrive à point nommé avant la sortie du film. C'est le genre de bouquin que les libraires peuvent très facilement soit conseiller, soit mettre en avant. C'est accessible et c'est surtout des récits de qualité. C'est à découvrir dès demain chez votre libraire si vous êtes fan et complétiste, et si vous êtes un lecteur Urban Comics Batman. Eh bien je pense que ce titre ne restera pas longtemps sur les piles de mise en avant et que vous risquez de repartir avec. En tout cas, vous pouvez aller le découvrir et le feuilleter. Je suis assez séduit par cette proposition et je trouve que c'est exactement le genre de choses qu'il faut proposer et faire à l'occasion de sorties de films, parce que ben, ça rend accessible les comics et que ça donne un éventail de talents et de créativité que ces auteurs qu'on aime sont en mesure de nous proposer. Merci d'être nombreux à regarder Radio Comics. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez la commenter, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr, et vous pouvez également nous retrouver sur Tipeee dans le lien en descriptif de la vidéo. Voilà, salut.